Je m'appelle Liman Frank Baum et je vais vous raconter une histoire merveilleuse et vous faire découvrir le pays d'Oz. Une petite fille rêvait tristement. Elle aurait voulu s'envoler vers un pays merveilleux, bien au-dessus des nuages, bien au-delà de l'arc-en-ciel. Elle ferma les yeux et chanta son rêve. La petite fille s'appelait Dorothée. Elle était orpheline et vivait avec son oncle Henri et sa tante Emma dans une pauvre ferme de bois posée sur la plaine du Kansas. Il n'était pas méchant, l'oncle et la tante, mais ils travaillaient tellement qu'ils ne savaient plus rire ni sourire. Et pour jouer, Dorothée n'avait qu'un seul ami. C'était Toto, un petit chien gentil et rigolo. Tout à coup, Toto sursaute. Une menace sombre et gigantesque est en train d'envahir le ciel et la terre. Une tornade. Dorothée est effrayée. Elle essaie de calmer Toto qui est paniqué. Mais voilà Toto qui s'échappe. Dorothée n'a pas d'autre choix que de le suivre. Les souliers d'argent de la sorcière et son magique.
I could while away the hours, confirm and wish the flowers, myself and win the rain. In my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. Chemin jaunâtre en s'enfonçant entre les arbres. La forêt, de plus en plus épaisse, se refermait sur eux. Ils entendaient des glissements, des crissements, des craquements, des grondements mystérieux et menaçants. « Ouille, 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 j'ai la trouille !» répétait le lion. Mais rien ne leur arriva. Avec soulagement, ils atteignirent enfin la lisière de la forêt. La prairie de coquelicots, dans laquelle ils marchaient maintenant, était si belle. Son parfum était si doux que Dorothée avait envie de s'étendre au milieu de ses fleurs, pour partir au pays des rêves. Dorothée, le lion et Toto marchaient en bâillant, bâillant en marchant. Ils finirent par s'affaler, endormis au milieu des coquelicots. Ferblanc se tourna vers l'épouvantail. « J'ai entendu dire que ces coquelicots-là étaient des fleurs qui font dormir. On dit que celui qui s'arrête au milieu d'eux, jamais ne se réveillera. Toi et moi, nous ne risquons rien car nous n'avons pas de poumons. Alors toi, prends ma hache et le chien, moi je porterai Dorothée et je tirerai le lion par la queue. » Tirant, portant, ronflant, ils réussirent à sortir du champ de fleurs vénéneuses. Le soir tombait doucement. Une lueur verte flottait sur l'horizon et se mêlait aux couleurs du couchant. La cité d'Émeraude n'était plus très loin. «
n'existait nulle route, nul chemin pour aller vers l'ouest. Marchons à travers champs, du côté du soleil couchant, décida Dorothée. Et les voilà partis à la chasse au parapluie. Les prairies verdoyantes laissèrent peu à peu la place à des étendues d'herbes jaunies et desséchées. Ils pénétrèrent dans le royaume de l'ouest. Des cailloux pointus leur tordaient et leur mordaient les chevilles. Des ronces géantes les griffaient. Des branchages leur barraient le chemin. Ils avançaient quand même, grâce à Fer-Blanc qui leur taillait un passage à grands coups de hache. Et puis, comme par magie, les cailloux se firent sable doux et les ronces s'écartèrent pour leur ouvrir un chemin et leur offrir des grappes de mûres délicieuses. C'est peut-être la fée du Nord qui nous vient en aide, dit Dorothée. Non, ce n'était pas la fée du Nord. S'ils avaient levé les yeux, ils auraient vu à travers la brume la silhouette de la sorcière de l'Ouest, chevauchant son grand parapluie. Ses yeux braqués sur les souliers d'argent de Dorothée, c'est elle qui, par magie, venait d'ordonner aux cailloux et aux ronces de se faire tout gentils. Quand elle vit Dorothée et ses compagnons s'arrêter au pied des hautes murailles de son château, la sorcière ricana. Ils sont coincés, ces minus. Je vais encore les aider à ma façon. Je mets le chapeau magique et j'appelle les singes volants. Thank you.
singe volant répondit à l'ordre de Dorothée. Et après quelques centaines de battements d'ailes, ils la déposèrent avec ses amis devant le palais du magicien. En les quittant, ils lui rappelèrent qu'il lui restait encore deux ordres. Dorothée et ses amis retrouvèrent donc la Dame Verte qui les conduisit dans la grande salle du magicien. À l'ordre de Dorothée de les conduire au pays des mages quinquins. Ils atterrirent en douceur devant le palais de la fée du Sud. Le chef des singes fit un grand salut et dit « Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et nous souhaitons vous retrouver prochainement pour un dernier vol en notre compagnie. »
voyait voir le magicien, mais le magicien est un imposteur. Il a pu me ramener au pinceau. Fort lointain. Voilà, merci. Je vous les prête pour...